Définitivement, dossier haïtien bay problème tant au niveau national qu'international. Gros laissé frapper en deux officiels américains dans le dossier haïtien au niveau du département d'État américain. Daniel Foot parle, c'est pas deux causes qui dit, stratégie à manœuvre qui déploie là pour arriver à redéfinir 7 février. Cap vie ni la jan mwen la jan m'ap gande bagay sa yo la pou parole ki di koze ki pran la rue la, c'est sûr que faut nous chercher motivation qui anime monsieur Blanc sa yo. Les détails sont dans un instant. Dernière update dans dossier Mario Antonio Palacios yon nan présumé assassin président Jovenel Moïse qui nan prison États-Unis. Procès après le temps, mais dans un petit temps qui pas trop court, qui a venu Mario Antonio Palacios à tout l'autre présumé assassin. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur plateforme Polan. TAC 509, vous êtes connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays et surtout pour nous recevoir des invités qui ont même des projets de société, des projets et communautaires, des projets collectifs pour garder comment ils ont aidé les pays en soutien à l'IA, pour garder comment ils ont accompagné la population. Déjà, ma invitez au partager vidéo et surtout sous fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, c'est là pour joindre bon gens information. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter tous les jours à partir de 2h. Suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission, alors soyez les bienvenus. Si vous avez un nom pour 7 février, qui ça le tapis? Moi-même, je considère 7 février comme le jour du jugement en Haïti. Le jour du jugement, parce que nous face avec différents clans politiques, différents secteurs regroupements, qui ont même une seule vision là, une seule aspiration, ils posent les yeux, tout le monde rivé sous palais présidentiel là. Puisque déjà, nous, face avec un affrontement en différents accords, nous avons un accord primature en septembre pour le ministre Ariel Henry, ou bien Pen Montana qui est en mété et un président de transition, premier ministre de transition, ou bien différents autres secteurs, yo gen accord unité en Louisiane, chaque nègre, chaque monsieur, dame, yo gen yeux rivés sous la présidence. Maintenant, date 7 février sont date fatidique dans l'histoire pays nous, dans l'histoire constitutionnelle nous, parce que li marqué et fin mandat présidentiel on président te élu côté que un nouveau président a supposé prendre maït là pour continuer avec et gouvernance pour continuer avec et gestion pays. Maintenant que ça nous constater en Haïti, j'aime ça dire dans commencement émission. Problème haïtien, li créer des conflits tant au niveau national qu'international. Puisque là, nous avons assisté avec un bras de fer au niveau département d'État américain entre Brian Nicole, qui est sous-secrétaire d'État américain, avec un diplomate américain Daniel Foot. Parce que Daniel Foot lui-même, li campé sous décision par rapport avec influence, par rapport avec Bush que l'administration Biden a fourré dans le problème pays. Li campé sous position par rapport avec démission, li exige, la demande, la préclame de manière continue pour le premier ministre de facto Ariel Henry. Et pour nous aller plus loin, ou joindre jodi an la on Daniel Foot qui campé tant qui campé en un seul homme tant que défenseur haïtien yo tant que défenseur Haïti qui mande cap chercher autodétermination peuple pour nous ka décider pour nous-mêmes pour nous grand monde la etc. Donc là nous un diplomate américain qui lui-même li gen comportement ça oblige poser tête question qui ça qui motive l. Parce que ou pas qu'à comprendre que Brian Nichols même qui dans l'administration Biden qui a défendu l'intérêt américain qui campait sous décision par rapport avec le premier ministre Ariel Henry qui pourra gérer pays au-delà du 7 février qui campait par rapport avec soutien Biden porté soutien administration porté avec gouvernement de facto Ariel Henry. Donc on dit tout au côté ou jouen administration Biden qui montre une bonne volonté pour continuer et pour chercher
tout le monde qui participe dans tous les journaux qui pour faire respecter les principes démocratiques en Haïti. Mais de l'autre, où sentent même moun ça encore, c'est SFF et la loi par le score, puisque l'obgade de manière constitutionnelle, ou pas avec qui se réel y a prévu dans le pays, ou pas contre qui statue réel y véritablement, mais c'est réel y a voulu, c'est réel y a défendu, c'est réel y a campé. Alors que, au niveau national jodi an la, par rapport avec crise institutionnelle qui gagne, par rapport avec les problèmes politiques, instabilité politique qui débouche depuis après assassinat Jovenel Moïse qui beaucoup plus féroce, t'as supposé gagner des médiations qui fait, t'as supposé gagner des rencontres qui fait, t'as supposé joindre une solution haïtienne avec problème pays, avec crise politique pays an gagne là. Mais regardez où est un gouvernement américain qui aussi impliqué dans la crise haïtienne, un gouvernement américain qui aussi présent dans prendre décision politique en Haïti. Donc, ou obligé chercher intention, ou obligé chercher motivation. Et nous connaissons déjà, en tant qu'impérialiste, en tant que néocolonialiste, on ne sait pas gagner d'autres motivations qui animent aussi, sinon que des motivations géopolitiques, des motivations économiques par rapport avec ressources naturelles nous gagnons. Et de même, je dis là, nous nous en situation côté que influence américaine ou bien influence différents pays occidentaux qui ont yeux rivés sur Haïti, qui campent par rapport avec politique intérieure pays, moun sa yo même, c'est pas question autodétermination de peuple, c'est pas bagay sa yo qui préoccupe yo, c'est pas question stabilité politique qui préoccupe yo, c'est pas question sécurité et Caraïbes qui préoccupe yo, puisque Haïti, li nan plaque tournante lan la, Haïti nan plaque tournante lan, comme yon nan pays nan Caraïbes lan, nèg yo créé condition, le nan parle de Haïti, jodi, on dit Haïti c'est pays plus pauvre, Haïti c'est pays qui gen plus instabilité, c'est pays qui gen plus insécurité, c'est pays côté que gestion administrative yo toujours très dégradante, ces pays là et transparency a ba ou et bilan le a fait le a ba ou ça qui gè pour avec et rapport de corruption. Nous Haïti c'est pays qui est plus niveau de corruption, qui plus élevé de corruption énorme en Haïti, parce que nèg yo créé influence, yo créé dépendance. Je dis là le nous gè des autorités tant que ça nous gè là yo, on toujours nous en situation côté que a toujours gè bataille qu'a fait, des batailles politiques en façon pour nèg yo gè contrôle ça qu'a fait au niveau l'état, au plus haut sommet de l'état. Mais c'est pas que c'est intérêt paysan qui primordial, c'est pas que c'est stabilité paysan qui préoccupe vraiment, mais beaucoup plus c'est river contrôler influence. Et pour y arriver, il y a besoin des diplomates. Pour y arriver, il y a besoin des personnels et politiques en Haïti. C'est ça que fait jodi a parler de classe politique en Haïti qui soit ouais. Ou ouais, soit pas qu'être gang politique. 7 février là qu'a privé là, qui ça va passer? Ou pral jwenn différents gangs politiques qui sou échec en cap bataille. Ou pral jwenn et transition en bas. Ou pral jwenn Ariel de facto en bas. Ou pral jwenn différents nèg qui pral rale koyo. Si pas, si pas, parce que gen yon incertitude par rapport avec qui ça réellement États-Unis vle, qui ça réellement Corou vle, qui ça réellement communauté internationale dans son ensemble vle. Ça crive. Pour nous clair, 7 février, là, tout le monde attend que un miracle qui opère pour que de grandes choses arrivent, soit Premier ministre Ariel Henry y aller, ou bien pas qu'on est, parce que tout le monde attend un bagay qui fait, un bagay concrète qui fait, un bagay grandiose qui fait pour 7 février. Le seul bagay qui t'a fait, qui t'a aussi grandiose, c'est arrivé, date 7 février, là, un président élu qui prend ma être là, qui assure la continuité de l'État, mais c'est pas le cas. Pas gagné qui pral vin rive là, qui pral satisfaire intérêt, pas gagné qui pral vin rive là, qui pral combler et vide institutionnel qui gagne dans tête l'État. Puisque, ou pral comprendre nos situations côté que, depuis après 86, nous rentrons dans l'ère de la démocratie, entre guillemets. Mais tout ça qui était de démocratie, que c'est politiciens, que c'est acteurs politiques, que ces différentes transitions passées, que ces différents présidents démocratiquement élus qui passent dans tête l'État, yo tellement utilisé concept démocratie en mal,
Je veux dire, seulement ça crée, c'est liberté d'expression. Seulement ça crée dans la démocratie. Seulement ça nous hérite de démocratie 86. C'est seulement liberté d'expression, liberté de parole. Là. Parce qu'on parle de tout principe démocratique, yo, toute base démocratie, yo, nous perdons. Je dis, on n'est pas voulu à l'élection, c'est transition. N'est pas voulu mettre pied à terre pour aller rencontrer la population, pour vendre la population, ça a gagné comme idéologie, pour vendre la population, ça a gagné comme vision politique, vision populaire, c'est transition, c'est accord. Et puis, je dis, nous parlons pas de démocratie, je dis, nous parlons pas de stabilité politique, nous parlons pas d'intérêt collectif. Il n'y a pas marché. Yo pas marché de pair avec démocratie. Yo pas marché de pair avec ça n'a vann là, ça gang politique yo a vann souterrain là. Parce que si nous voulons vraiment bon démocratie, si nous voulons jodi an là pour nous ta prévé grand, pour nous ta prévé stabilité pour pays, pour nous ta prévé sécurité pour pays, nous pas jamais admettre n'a perpétuer un paquet mauvaise pratique, n'a perpétuer un paquet gang politique, n'a accepter dérive politique ça yo. Nous vendre ça nous gagner comme pouvoir populaire, nous vendre ça nous gagner comme liberté de peuple à disposer ou bien à décider qui ça voulait comme avenir politique, qui ça voulait comme dirigeant politique, qui ça voulait comme président. Nous vendons tout bagaille ça yo. Nous vendons au profit d'un petit groupe monde, au profit d'une classe politique qui depuis 30 ans occupe tête pays, au profit d'une communauté internationale qui pas gain merde qui a réglé pour nous, sinon que mettez influence sur, jouez influence sur Haïti pour appauvrir nous beaucoup plus et pour faire nous passer aux yeux du monde comme pays qui plus pauvre, comme pays qui plus mal, comme pays qui pas jamais saute l'arrivée là. C'est ça, c'est image ça y a vendre de pays, c'est image ça y a vendre de Haïti. Et puis nous-mêmes, entre-temps, nous acceptons, entre-temps, nous approuvons. Entre-temps, nous acceptons. Donc, le nous est. Au niveau international, au niveau du département d'État américain, gien laisser frapper ça, gien chauffourer ça, en Daniel fouté ba Nicolas, c'est pas dans l'intérêt d'Haïti vraiment. Parce que chaque nèg sa yo gien intérêt par yo a défendre, yo gien stratégie par yo, manœuvre par yo employé. Donc, politique Biden, est-ce que politique Biden nan son politique vraiment qui nan intérêt Haïti? Pour que ça jodi, ou gon administration américaine kap soutenir dérive kap passe au niveau politique en Haïti, ou gon administration kap soutenir un gouvernement qui gen en tête yon présumé assassin de un président qui était élu démocratiquement, et puis c'est même administration ça qui a parlé de démocratie, c'est administration ça qui a parlé de pouvoir populaire, là, c'est l'administration qui parle au lieu en tant. Donc, c'est normal pour yon diviser, c'est normal, je dis, pour yon avouer fait sous l'autre. C'est normal à chaque sortie pour yon sous-secrétaire d'État américain, Brian Nicholson, pour jouer Daniel Foot, qui campe en défenseur, qui campe en libérateur pour peuple haïtien, pour l'attaquer. Parce que l'on veut ou non, je dis, là, je dis, l'administration américaine, là, yon gagne mon paio. Yo gen mo pa yo nan échec politique intérieur pays, yo gen mo pa yo nan échec Haïti. Parce que c'est décision américaine qui mette pays là, parce que n'importe ça qu'a fait au niveau national. Nous pensons si Ariel Henry pas sentir confortable parce que il te gen nèg, il te gen gros officiel américain d'elle. Nous pensons qu'il t'a confortable comme ça. Malgré l'opinion publique, la clameur publique, a plongé doigt sur les bien longs comme moun qui participait dans l'assassinat, comme moun qui participait dans le complot pour tout le journal Moïse. Nous pensons que l'État parle comme ça parce que les gens qui ont couru, les gens qui ont approuvé l'action, qui ont approuvé faire geste. Donc, qui ça qui a fait, qui ça qui doit faire sinon que des démarches haïtiennes, sinon que des solutions haïtiennes qui doivent jouer avec problème haïtien. Problème yo la, solution yo la. Acteur yo problème yo. Si acteur yo problème yo, solution yo, c'est retirer acteur sa yo nan figou, c'est retirer acteur sa yo, comme moun ka prend décision pour ou. Donc, nous comprenons très mal ingérence américaine nan politique en Haïti. Nous toujours à dénoncer, ok, et ingérence américaine nan Haïti sous tutelle, yo pran Haïti comme timoun yo, yo pran président yo comme timoun yo, etc. Mais qui ça nous pral fait, qui ça nous ka fait?
C'est la grande question. Nous pas qu'aujourd'hui là contenter nous seulement de déclarations qu'a fait pas bon côté et diplomate américain tant que Daniel Foot ou bien en nous contenter nous de bras de fer qui gagne au niveau international entre officiels américains sur dossier Haïti. Mais nous même en Haïti nous gagne responsabilité ou même qui dans diaspora gagne responsabilité. Le problème haïtien, c'est le problème de tous problème haïtien aujourd'hui. Il pas qu'a seulement problème de diplomate, il pas qu'a seulement problème ou problème binu. Ça doit concerner chaque grain haïtien, ça doit concerner population haïtienne dans son ensemble. Et si vous voulez nous comprendre, je dis là, c'est que au niveau du département d'État américain, yo concevoir politique haïtienne, yo concevoir chaque grain haïtien comme des sujets coloniaux. Et comme si nous toujours dans l'ère coloniale, nous toujours sous le joug de l'oppression, etc. Yo considérer nous comme des esclaves, entre guillemets. Parce que qui paye Haïti, premier pays noir qui prend indépendance, et puis je dis, nous pas qu'à disposer nous-mêmes de qui ça a fait à venir politique, nous pas autodéterminant, nous pas autosuffisant, nous pas qu'à répondre avec problème, nous que le problème politique, que le problème institutionnel, que le problème minimum, le problème de base, nous pas qu'à répondre avec rien, parce que nous avons un groupe monde qui l'a, nous avons un groupe monde qui ont même yo mettez disponible disposé pour yo influencer, pour yo rentrer dans la cause interne pays nous, puis pour yo créer problème. Pour créer problème, parce que au niveau national, nous pas gain des nationalistes. Au niveau national, nous seulement gain quelques nèg éparpillés qui relè tête démocrate, qui relè tête nationaliste, qui voulait faire tête basée pour des patriotes haïtiens. Mais c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai, parce que au fond, bataille n'est pas une bataille pour Haïti, n'est pas une bataille pour stabilité, n'est pas une bataille pour sécurité. Jodi an la, que on prend classe politique qui était constituée opposition sous Jovenel Moïse. Que on prend société civile là mettez avec différentes organisations partis politiques qui ont même ba ou Pen Montana jodi an. Gardez comment manœuvre là. Pen Montana jodi an y a cherché bénédiction qui est, y a cherché bénédiction CSPJ, y a cherché bénédiction Tiresena. Tiresena yo même yo campé comme un seul homme yo dou et c'est yo même qui pi capable pour diriger pays en au-delà du 7 février. En réalité li même li dou le pas font pas. Et en dépit de tout ça, ou gagne communauté internationale, là, ou gagne États-Unis, administration Biden, nan qui coiffe Ariel Henry. Te met gagne sauté pompé entre accord Pen Montana. Te met gagne sauté pompé entre tire Sénat. Pas gagne rien qu'a fait d'autant que, administration Biden, nan, yeux le rivé, yeux le fixé sur Ariel Henry. Parce que c'est eux qui décident. C'est eux-mêmes qui ont décidé ce qu'ils ont fait en Haïti. C'est eux qui ont décidé qui a venu, comment on pleuver demain, comment on va pleuver demain, etc. Pendant que gang finit de terroriser le pays. Nous ne connaissons pas si c'est un prélude du 7 février, mais seulement hier soir, ce n'est pas 2-3 personnes qui perdent la vie. Dans Port-au-Prince, ce n'est pas 2-3 personnes qui tombent en bas de la bandit. Donc, que l'on veut ou non, nous besoin sécurité, que l'on veuille ou non, nous besoin stabilité, nous besoin liberté de circulation. Nous pas qu'à hériter en démocratie qui vient croquer dans gorge nous. Nous pas qu'à hériter en démocratie aujourd'hui là pour hériter ça son croquelier, pour hériter ça son groupe nèg qui prétend c'est eux-mêmes qui beaucoup plus légitime, son groupe nèg qui prétend beaucoup plus démocrate que on l'autre et puis qui vient qui impose au propre loi, qui impose au propre règle, qui impose propre tactique manœuvre. Et le pire, manœuvre, c'est manœuvre frauduleuse. Tactique, c'est tactique de et dilatoire à faire. Sans que ce n'est pas intérêt payant, sans que ce n'est pas intérêt majorité qui préoccupe vraiment. Donc, problème payant, là, c'est un problème qui allait au-delà de sa communauté internationale. Là, problème payant, c'est un problème qui allait au-delà de sa département d'État américain qui a envisagé. Problème payant, c'est haïtien avant tout. Problème payant, c'est décision que l'autorité nous a pris avant tout.
Parce que si Biden, ok, si Daniel Foutou côté sorti, il était chargé d'affaires, il était fait médiation, etc. Il était venu, il était imposé et moun ni rencontré. Ou kon sa passé et mais ça pour fait, mais ça pour fait, mais ça pour fait. Et moun sa yo li passe l'ordre là, li propose, bon pas même proposer, moun sa yo li intime l'ordre pour yo faire A au lieu que c'est big tab bon pour pays. Si moun sa yo te renoncé avec l'ordre yo passé, yo te fait ça tab bon pour pays. Nous pensons yo pas ta prendre au sérieux, nous pensons yo pas ta prendre pays au sérieux. Nous paquet sousou nous gon paquet ni nèg yo mette tête tant qu'on paquet ti chien politique depuis ouais blanc depuis autant de parler de Biden yo tant de parler de administration américaine là et puis j'entendé tout plim lever sous dos yo étant fou yo perdu bon sens donc c'est normal on a des vendus au plus haut sommet de l'état nous gè des vendus qui prend décision politique pour nous qui prend qui décide sur avenir nous c'est normal le résultat est là. Jovenel Moïse a été assassiné. Le résultat est là. Je dis, on nous face avec une instabilité politique chronique et qui vient beaucoup plus difficile depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Que doit-on faire? Que doit-on faire? Ah, avant nous aller, avant nous continuer là, faut me profiter sur ton joyeux cet anniversaire avec Kelvin Jean. Ça, son fanatique inconditionnel émission mon éditorial. Je dis à Kelvin, c'est surtout tout bon bagaille, pas quitter aucun monde d'histoire, pas quitter aucun monde vin gâcher journaux, ça c'est journée pas haut. Profiter, couper gâteau, hein, boire champagne, hein, et puis ça dans des sous font tissu. Je dis dimanche, je vais faire un petit sourire. Encore une fois, mon frère, joyeux anniversaire. Enjoy your net. Je vous dis tout bon bagay. Net. Et on continue. Bon, nous sommes ouvrons une petite parenthèse fait là. Mais, payant là, ça va passer à Haïti là, dans un moment. Prélude 7 février, ça a commencé à bailler, il a commencé à avoir mauvais sens, il a commencé à sentir dû. Nous avons déjà dit nous pour hier, hier soir seulement plusieurs personnes sont tombées en bas de la bande. Dans le temps, il y a Maximin O'Donnell. Maximin O'Donnell, c'est journaliste, son journaliste, c'est un fervent défenseur Jovenel Moïse, son allié PHT Calte, son bon ami. Clamante lien. Et hier, ma prenne, nous donnons la sortie dans la réunion et puis en rentrant dans la caille, les bandits ouvrent le soleil. Nous allons poser une question par rapport avec l'attaque ça qui fait, attaque simultanée qui fait, et de pour nous attaque simultanée, ou presque rentrer dans une ligne terroriste. Ou presque rentrer dans attaque terroriste. Moun tombe Boudon, moun tombe Wout Frère, moun tombe Delma, Mortissant. Yo apprendre que plusieurs cadavres dans la rue, etc. etc. Donc, on pose cette question. 7 février a privé sous nous là, dans quelques heures encore, 7 février est arrivé. J'aime te dire là, nous sommes en phase de jugement. Nous sommes en phase de jugement. Nous sommes en phase tout de manœuvre politique. Nous sommes en phase tout côté que tous les moyens sont possibles, tous les moyens sont bons là, soit pour persuader, soit pour dissuader. Tout dépend de qui clan qui a frappé, tout dépend de qui clan qui a attaqué. Moun sa yo qui tombe, moun sa yo qui mourit, là, yo pas mourir de manière innocente. Moun sa yo qui assassiné là, yo pas assassiné de manière innocente. Là, parle de O'Donnell, mes amis. Moun ka fè politique dedans pays an bien longtemps. Moun ki sou sèn politique là, ki konnè citoyen ça, ki konnè influence citoyen ça, ki konnè parcours citoyen ça, c'est pas un tinèg qui tombe à non. C'est pas un tinèg qui tombe à. Au cap perdu en petit. Jovenel Lisio perdu en allié. Et le y a parlé de Jovenel Lisio, c'est pas moun ka fè kofè S. Et voilà, je dis, hein? Voilà, je dis, hein? Mais qui ça y a banou en prélude? Qui clan qui de elle ou pas connaît? Qui moun kap alimenté massacre ça ou qui moun kap alimenté zak théorie ça en dedans pays ou pas connaît dans moment là? Parce que chaque clan a intérêt. Qui c'est pouvoir? Qui c'est moun qui besoin prend pouvoir? Yo tout a intérêt à créer chaos et insécurité là. Nan créé machine la mort ça, nan créé vague la mort ça. Tout moun gagne intérêt aujourd'hui.
C'est mettre coq pour veiller coq. C'est mettre coq pour veiller coq. C'est ça qui fait m'exhorter à la prudence. Pas sortir sous pas besoin, pas dans foule, pas dans mouvement de clan sous pas besoin, parce que là, à terre piégé, là où il y a piégé dans moment là. C'est sûr, ou même amis qui dans diaspora, ça arrive ou des femmes ou des proches en Haïti, commencez à relayer les oreilles. Au moment ça, c'est pas moment pour dans marcher avec nèg, dans marcher avec amis. Mabouya façon bon, pas contre mal ou pas contre femelle, parce que ou pas, ou presque pas contre qui est-ce qui cible. L'attaque qui a fait, ou pas contre si c'est attaque ciblée, ou pas contre si c'est acte terroriste, ou pas contre ça, nèg yo a réglé en dedans pays. C'est ou même qui pou prudent, c'est ou même qui pou pas nan sorti ak nèg, c'est ou même qui pou pas nan clan, c'est ou même qui pou pas nan marché et avec pile moun rete la kayou. Ou pas yon besoin la ou rete la kayou. Pas bay nèg fè la dernière jour, pas bay nèg fè capital politique yo, pas bay nèg chercher pouvoir, la quête du pouvoir sous dos nous, sous sang nous, sous vie nous. Pareil ça yo, situation ça yo catastrophique. Et m'apprendre et kidnapping, zak kidnapping qui fait sous pasteur Emilochard, kidnapping dans la continuer. La police, DCPJ, pour que j'aime définitivement pour yon voilà, mais qui ça retrace la quantité de l'argent, kidnapping, l'argent, non, son qui baye yo, yon pas chercher l'argent, et d'ailleurs, principe l'an dou, sous besoin moun nan, c'est chercher l'argent, suivre trace l'argent pour joindre moun nan, ici, n'est pas suivre trace l'argent, ici, n'est pas suivre trace côté l'argent, sorti nan ki bok côté l'aller, kidnapping a valé terrain, moun a victime, moun a pas pauvre en dedans pays, aux yeux de tous. Devant dégranger autorité, devant dégranger et soi-disant acteurs politiques, tout nèg sa yo constitué gang kap appauvri pays, gang kap détruit population. Et puis nous-mêmes, nous rete là, nous admettons. N'ap continue. Dossier Mario Antonio Palacios. J'aime déjà annoncer nos dossiers sans lui-même, il prend l'autre phase, puisque Mario Antonio Palacios lui décide de plaider coupable. Il décide de plaider coupable. Donc, là, avocat gagne un mois de vol pour préparer des forces. Entre temps, procureur américain qui sous dossier, qui s'a gagné comme charge, il gagne pour chercher, continuer à chercher preuve, continuer à chercher indice, qui pral accabler des forces. Qui pral montrer noir sur blanc que Mario Antonio Palacios c'est coupable. Qui pral montrer oui, il pral montrer, il pral démonter bout par bout de défense. C'est job procureur là. C'est job ça nous relait en Haïti commissaire du gouvernement. Donc une fois que procès al pral tamé, il pral ouvrir dans yon mois qui vini là. C'est job li pour venir avec toute preuve li joine qui pral relier Palacios avec assassinat Jovenel Moïse. Mais preuve ça yo. Nous connaît jusqu'à date, yo pas de jambe joine caméra vidéo kay Jovenel Moïse, yo pas de jambe joine disque dur là. Yo pas de jambe joine ensemble et de preuves formelles, ensemble de preuves qui pral comment dirais-je en termes juridiques qui pral asseoir la culpabilité et de Palacios. Yo pas de joine ça. Donc, kounye ya, nous rentrons dans une situation côté que procureur en lui-même, ça gagne comme élément à charge, il suppose communiquer avec défense. Parce que ce n'est pas un jour procès hein, pour le bral vin di, mais qui ça gagne comme preuve, mais qui ça gagne comme indice, mais qui ça gagne comme élément qui pral di oui tout bon par la source coupable. Et pas j'en ai fait bagaille tête en bas en Haïti. Hein. Les éléments de preuve accablants, yo supposé communiquer avec défense et le sa défense lui-même faut ka gagner des preuves ou bien ka gagner des contre-expertises ou bien ka gagner des moyens qui pral dit ah bon pas la chose si même mais côté le mais qui ça t'a fait mais on comprend des moyens de défense qui véritable qui solide qui pral montrer avec jurien que pas la chose pas vraiment coupable etc etc mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que Palacios pas participé dans l'assassinat Jovenel Moïse? Est-ce que Palacios n'a pas retrouvé la résidence officielle président 6 pour arriver 7 juillet? Est-ce que Palacios n'a pas rentré, n'a pas tué un monde qui était rentré dans la chambre Jovenel Moïse? Est-ce que Palacios n'a pas tué un monde qui t'a exécuté Jovenel Moïse? C'est un ensemble de questions.
C'est un ensemble de questions que procureur là, lui-même, lui pral vin avec des preuves pour le faire jurien, pour le démontrer jurien que Rui Palacios coupable. Qu'on y a arrêté avec avocat Palacios là. Ils agiraient qui pral vini avec des moyens pour le défendre Palacios. Bon, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons pour défendre ça, pour utiliser, pour montrer que Palacios n'est pas coupable. Mais c'est sûr que si on décide de river aller dans stade procès, yo gagne des éléments. Yo gagne des éléments qui pral servir yo. Mais est-ce que procureur lui-même n'est pas beaucoup plus solide? Est-ce que FBI n'est pas beaucoup plus solide, pas gagne des moyens? Pas gagne des moyens qui beaucoup plus fiable, plus solide pour montrer qu'effectivement Palacios était là sous scène crime non, Palacios était participé dans crime non et Palacios supposé condamné. Son dossier n'a pas suivi de très près, son dossier n'a pas suivi de près. Non pas qu'il ton petit détail passé parce que faut nous informer. Et dans chaque qui gagne la première, imaginons une seconde. Si avocat Palacios décide yo plaider non coupable, c'est parce que yo gagne des tactiques yo pral utiliser. Yo gagne des moyens de défense solides à Vinavel qui pral montrer que Palacios c'est pas là que Palacios fait participer au bien malheur ça le décaier. Donc si kounye a procureur lui-même, li pa ta gagne assez preuves solides, li pa ta gagne en vidéo, li pa ta gagne image vidéo surveillance ça Jovenel Moïse pour montrer que oui Palacios est rentré. Si vous avez un procureur, il n'y a pas de gagner ADN Palacios, il n'y a pas de gagner empreinte Palacios, il n'y a pas de gagner des moyens de preuve qui relient directement Palacios avec meurtre, avec assassinat, avec complot pour tout le Jovenel Moïse. Nous, ça qui arrive. Nous, ça qui arrive d'ailleurs depuis pas de preuves suffisantes qui s'est pris le fait. Grand jury, pas de preuves, il n'y a pas de retenue contre Palacios. Ce n'est pas simple. Depuis procureur en vient avec des preuves accablantes qui dit oui, Palacios coupable, c'est sûr que le grand jury a condamné. Parce que le ça a démonté des façons. Mais s'il pas vient avec des preuves suffisantes, des preuves accablantes, si des façons lui-même, lui vient avec des moyens de défense solides, lui vient avec des alibis solides, nous reste à privé. Donc, décider plaider non coupable, son stratégie liée, son stratégie par rapport avec qui ça négocie dans Jacoutio. Et c'est ça que femme dit nous aujourd'hui là. C'est parce que nous pas fait pays, c'est parce que Haïti nous bouquer parler de état de droit, nous bouquer parler de tout concept qui kan gen, mais Haïti nous pas fait pays là dans nous pas un système judiciaire, la justice pas fonctionner, nous pas gen rien. Sinon pour qui ça aujourd'hui nous obligé reposer, on assassiner un président, nous obligé reposer tout fardeau, tout charge. Sous don l'autre pays, c'est États-Unis pour faire des c'est États-Unis pour arrêter mon chat, on y a arrêté, bravo, bravo, bravo. Alors que moun sa yo risque peine minimale, gen qui risque une liberté, yo, etc., etc. Pendant que la kay nou, rumeur a circulé, information a circulé, comme quoi, et j'ai la guerre civile avec Dimitri Hera, ta jeune libération, yo. Pendant que gen un avocat pour Renor George, même qui campé, comme moyen de défense, l'a utilisé des arguments, l'a utilisé au paquet de paroles sans pied ni tête. Comme quoi, est-ce que j'ai la guerre civile, c'est bon Dieu lié? Est-ce que j'ai la guerre civile, t'es connu, ça t'a pas le passé? Hein? Est-ce que j'ai la guerre civile, t'es ceci, t'es cela, etc.? J'ai la guerre civile, c'est un homme qui est beaucoup plus près Jovenel Moïse que Dimitri Hera. Lorsqu'on parle de j'ai la guerre civile, chef USP, Dimitri Hera, chef USGPN, USGPN a parlé de sécurité palais national, l'a parlé de Jean la guerre civile, l'a parlé de chef unité sécurité présidentielle qui rapproche de président. Donc, vous pouvez dire mon complot monté, un complot organisé, l'argent bail, mercenaires déployés, nous pas gagné aucun feedback, nous pas gagné aucune information. Bagaille son jouet. Bagayo son jouet. C'est ça qui est extrêmement important, je dis. Hein. L'extrêmement important, c'est ça qui est pour avec plan de sécurité. N'importe nèg qui t'a vu monter, vin président de dans pays, ça va prendre ça au sérieux. Nous pas accepter un petit groupe nèg que le niveau politique, que le niveau monde qui a influence en dedans pays, ça influence économique, pour yon prétendre que yon kagi contrôle tout le monde en dedans pays, ça n'est pas possible. Li pas possible.
Puisque nous pas de justice en dedans pays, puisque la justice pas fonctionné, la justice pas fait travail, c'est normal je dis hein, pour joindre. C'est normal, je dis, hein, pour joindre des séries d'avocats, anciens alliés pouvoir, anciens défenseurs Jovenel Moïse, qui défendent assassins, qui défendent nèg qui participent, qui ont présomption culpabilité sous doyo, comme moun qui te chita, comploté pour assassiner un président. Et puis pour joindre, c'est même moun sa yo qui défendent, c'est même moun sa yo qui pas même venir avec des arguments solides, qui pas même venir avec des moyens de défense solides, pour yo dou yo pas ka inculper ni Jean Laguel ni Dimitri parce que moun sa yo pas bon Dieu. Ça c'est des arguments. Ça c'est des moyens de défense. C'est ça que fait. Troisième juge qui pral gen pour désigner sous dossier. Comme étant donné juge juge Étienne pas confine, li pou confine décider s'il a prend dossier Jovenel Moïse ou pas. Mais faut que juge sur ce qu'a vienne sous dossier, faut que li konnen le grand responsabilité énorme. Li grand responsabilité pour inculper nèg yo parce que nèg yo prétend là c'est jouet qu'a fait. D'autant pour qu'on gagne inculpation sous dos, pour qu'on gagne sérieux qu'a fait. Faut que yo inculper nèg yo pour yo déférer devant tribunal criminel pour yo juger. Assassiner un président, assassiner moun an dedans paysal pa dou yon jouet. Assassiner moun, faire complot, faire acte terroriste de dans pays sale, pas d'où yon jouet. Nous passer en bas ou le compresseur fantôme 509. Nous passer en bas massacre. Nous passer en bas, yon fait massacre à gauche, massacre à droite. Yon fait massacre déguisé pour régler problème politique. Nous passer en bas tout. Mon pas jamais qu'on coupable. Ou pas jamais qu'on auteur intellectuel. Ou pas jamais qu'on j'en exécutant. Alors que tout dans la République, yon tout là, n'a fait pays ou bien n'a fait jouet. En tout cas. Hey, ou gen problème bon? Bagay la piti. Rete la pale. Zaz of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pour mal pour l'en même. Ça pral permet ou rallonger pénible. Bal longueur vle, et puis survle, pou moun vle. Nan 90 jours seulement, solution nan men ou pardon yam. Et ou même ka fè rove. Ah, madame nan bavlo nan kay la. Kout ki lot fè pou pou. Ou fè bekate? Eh bien, pa inquiéto, solution la. Kenbon yon traitement 100% naturel pendant 90 jours, tout bekate fini, zafo regle nan bon ti mamit. Tout garçon ka utilise entre 15 à 75 ans. Ou pa besoin peur. Produit 100% naturel, yon testé et approuvé. Rele nan 514-886-9776 ou bien nan 37-55-46-06. Ou bien tout, passez sur website lan www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Ou remet pays et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2h, monsieur Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral pas les pays, nous bral faire débat.